cooking, pickin', man. I really get to clickin', but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some love tonight, just let me know. Hello, hello. Aujourd'hui, on est tous les quatre. Je commence par vous dire un truc d'entrée, je vais pas le dire sans cette fois, ni avec les formes, etc. Bonne année. J'ai l'impression d'avoir dit 40 millions de fois alors que pour autant je suis pas beaucoup sortie, on a fait ça en famille hier soir. Donc voilà, c'est chose faite, on va pas passer par quatre chemins, bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté et basta. Donc aujourd'hui on est le 1er janvier, j'allais vous dire le 1er décembre. Aujourd'hui on est tous les quatre. Et Chouchou m'a proposé une petite sortie parce que hier ils sont restés enfermés toute la journée. Chouchou est sorti un petit peu hier soir, mais voilà, sans plus. Donc voilà, on a envie de profiter un petit peu à notre manière. Donc cet après-midi, on va essayer d'aller voir à Bayonne. Apparemment, il y a une grande roue. Chouchou veut plus ou moins y aller, aller manger là-bas aussi. Donc on va aller manger sur Bayonne et faire un tour de grande roue. Alors moi, personnellement. J'ai un peu le vertige, donc je sais pas franchement si je vais y aller ou si on pourra y aller, tout simplement parce que en règle générale il y a toujours du monde, c'est toujours blindé, il y a une queue phénoménale. Donc voilà, on va se promener, on va profiter un petit peu tous les quatre à l'extérieur en sortant un petit peu de cette maison parce qu'on n'en peut plus de rester enfermé. Enfin, Chouchou et Léa, puisque Chouchou, Léa et Nolan, puisque moi je suis sortie pour travailler, mais c'est tout. J'ai quand même vu un peu d'air, un peu de monde, etc. Alors que pas du tout quoi. Donc voilà. Programme du jour, je vous amène avec moi. Je sais pas franchement ce qu'on va faire ou ce que je vais pouvoir filmer, mais j'ai envie. Tu viens dire bonjour ? Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit ? Bonne année. Voilà. Bonne année 2019. C'est bien chérie. Bah oui, 2019 chérie. Attends, je t'en. Deux secondes. Hier, il m'est arrivé une petite mésaventure de bon début d'année. Je sais pas trop comment le prendre ni comment réagir. J'ai quelqu'un de mon entourage qui a vu mon Instagram, qui s'est abonné à mon Instagram de la chaîne. Et cette personne n'était pas au courant que je filmais, enfin normalement, hein, je n'en ai pas parlé. Du coup, ma réaction quand j'ai vu ça, je me suis dit elle va tout découvrir, elle va tout. Voilà, ça va bien se passer pour moi. J'ai bloqué son compte, alors si tu passes par là. Parce que t'as fouiné un peu, coucou. Ouais, je suis désolée, je t'ai bloquée parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça encore. Et voilà, je me vois pas encore le dire à tout le monde. Puis je vois pas en quoi ça pourrait vous intéresser, vous, sachant que vous me connaissez, vous savez comment je suis. Alors que ceux que je connais pas, je crée des liens, etc. Donc c'est complètement différent. Donc voilà, bref, si tu passes par là, à la limite on en parlera toutes les deux, mais ça reste dans ce petit groupe, puisque je suis pas forcément à l'aise avec ça encore dans la vie réelle, on va dire ça comme ça. Voilà, désolée de t'avoir bloqué, mais voilà, j'évite. C'est le bouchon, mon chéri. J'évite de trop en parler. Il y a que Chouchou, il y a que ma famille, il y a que ma meilleure amie qui sont au courant. Le reste. Personne n'est au courant normalement, sauf si Chouchou a vendu la mèche, sauf qu'il m'étonnerait un petit peu. Donc voilà, bref, c'est le carnage à la maison de nouveau. Ça c'était censé être sûr qu'elle a fait bien comme il faut, mais Chouchou a regardé la télé ce matin. Ça c'est les trucs qui nous restent d'hier soir. Non, peut-être, s'il te plaît, ne fais pas crier. Genre, on a plein de ballons, plein de bubilles, vous savez, les petits trucs qu'on jette là, quand c'est la fiesta. On a. Ils sont où tes petits colliers là, tes petits bracelets? Vous savez, les trucs phosphorescents là. Phosphorescent, oui, phosphorescent. Parce qu'hier soir, on a écouté la musique à fond et on a fait les DJ en faisant les lumières avec ceci. D'ailleurs, on voit encore un petit peu la lumière de celui-ci. Et voilà, tu vas l'agrandir, Léa, comme ça. Bref, voilà. Donc, je vais pas faire une grosse intro. Hein. On va directement à Bayonne et on se retrouve là-bas ou dans un resto, je sais pas trop où encore, mais bref, on se retrouve quelque part dans Bayonne. Petit arrêt obligé à Burger King. C'est notre stand de décuve, on va dire. Même si on n'a pas bu, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Les lendemains de fête, c'est McDo ou Burger King. Quelle est l'écharpe de sa mère là, hein? Parce qu'elle a pas pris de bonnet ni d'écharpe.
Bon, finalement, hop. Attendez, je vous reprends dans deux secondes parce qu'il y a du monde en face. Je vous reprendrai juste après quand le son sera passé devant eux. Sur le pigeon. Bon, finalement, on n'est pas allé à Burger King parce qu'il y avait trop de monde. On s'est aventuré dans les rues de Bayonne, sauf que ben, on est le 1er janvier donc ben, tout est fermé. On cherche désespérément un truc qui serait ouvert, mais il n'y a personne dehors. Donc je pense qu'on va devoir remonter. Comment ? C'est un pigeon qui vole encore, mais je me cache dans mon écharpe. Oui, comme ça. Elle est bien chaude, mon écharpe. Oui, comme ça, ça va me protéger. Bon, bref, j'ai faim. Je commence à avoir faim. Le fait d'avoir senti le Burger King, là, ça m'a donné faim. Dommage, parce que finalement, on n'y est pas allé. Mais on va y retourner, chou. On va y retourner, hein, s'il fait pas... S'il n'y a personne. S'il n'y a rien d'ouvert, surtout. Hein, Nolan ? Si c'était fermé... C'est pas cadré du tout, ce que je suis en train de faire. Et il fait froid. Ça pèle. Dans Bayonne, il y a plein de poubelles partout. Ils sont toutes complètement... Ah, mais il y a même du vomi. Orc. C'est dégueu. On dirait un retour de... des fêtes de Bayonne. C'est aussi dégueu. Perk. Bon, ça sent peut-être moins la pisse. Mais regardez. Voilà. C'est ça d'être un bon citoyen. Voilà. Et encore, ça c'était une poubelle explosée. Il y en a d'autres, elles sont complètement au milieu de la route. Bref, Bayonne quoi. Les revers de Bayonne. Non, le... Bref, vous avez compris quoi. Non. Non plus. Cassé ? Non, non plus. Bon ben, retour à la case départ. On va à Burger du coup ? Non. Si, on va à la Burger. Non. Si, tu vas aller où ? À McDo. À McDo ? Oui, il y a en bas là. Mais c'est meilleur Burger King. Ouais, mais tout le monde qui vient, laisse tomber quoi. Bon ben, McDo. Pour changer. Ah, on essaie de faire en sorte de ne pas y retourner du moins alors. Où ça ? Notre mission, si on l'accepte, ouais, c'est d'aller à McDo. Donc le 1er janvier, on est le 1er janvier, mais pas y retourner avant le 1er février. On essaye ? On fait un burger là. On fait un burger alors ? Donc on n'y retourne pas avant le 1er janvier, le 1er février. Ah, c'est dur là, on est en pleine réflexion là. Vous voyez la tête de Chouchou, lui il réfléchit, moi c'est pour moi quasi impossible, mais ah, on peut essayer. Oui, putain. T'as cru que t'étais planté sens, ça. Ouais. Ah, parce qu'on prend les routes, il y a plein de travaux partout et c'est normalement la route pour aller dans l'autre sens, donc Chouchou pensait qu'on prenait les normes. À contresens. Et non. Bref, bon ben Burger ou McDal, on se retrouve tout à l'heure. On redescend, quoi, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros cadeau pour les cette année. Thank you.
ça change de couleur? Non, non, ça soit rouge, soit comme ça. Soit blanc. Non, regarde. Non, ça change de couleur. Ça change de couleur comme, dans la, comme sur ma tour Eiffel. De Paris. Ah ouais. Quand je vous dis que Chouchou a des problèmes avec cette fin d'année, mon petit chéri, il s'est mis à réparer l'ampoule du salon maintenant. Ah, demande à ta fille si elle peut se faire. Pourquoi peut... ma fille? Parce que moi je suis en train de regarder Dirty Dancing. Et eh bien elle est elle. C'est elle qui doit regarder ça, pas toi, non? Et eh bien moi je le connais pas, je m'en rappelle plus. Ah, Chouchou il chante. Chouchou a réparé la poule. Chouchou? Oui. C'est bien chérie. C'est très bien. Maintenant, faut plus que t'as plus qu'à remettre le. Comment on appelle ça déjà? L'abat-jour. Merci chérie d'amour. Bon, il est 7h05. On met les deux, mec. Parce qu'on peut mettre les deux et on peut enlever qu'un. Celui-là. Oh, je préfère ça alors. Je préfère un clair. Ça assombrit sinon. On est deux. Ah, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux, je te fais confiance, chérie. En ce moment, tu fais les choses bien, alors je te fais confiance totalement. Ok? C'est bien. Bon, bref, il est 7h05, on n'a toujours pas mangé. On a fait des puzzles, on a joué au mille bornes, on a joué. On a failli jouer au trio Mino. Puis on s'est arrêté en bon chemin. Là, on est en train de regarder Dirty Dancing, c'est bientôt la fin et après, ben, je vais faire un petit peu à manger. Lendemain de fête oblige, après le McDo et les, enfin, l'éventuel Burger King. Ce soir, ça va être pâte carbo. Il me reste un petit peu de pâte de hier midi. Mais j'ai rien. Et voilà, on va se coucher tôt normalement pour récupérer, enfin reprendre le rythme surtout. Sachant que demain, moi aussi, je travaille, donc ça va piquer un peu. Et voilà, on n'aura pas fait grand chose de la journée aujourd'hui. Mais ça, c'était quand même bien. C'était quand même cool. Quand je vois Chouchou à l'œuvre, là, je peux vous dire que je suis contente. Hein. Mon chéri. Ouais, c'est cher, on n'a pas de lumière. Tu me fascines. Montre l'ampoule. Si tu commences l'année comme ça, mon chéri. Me dis pas que c'est le seul effort que tu fais de toute l'année. Je te vois venir, chéri, mais c'est non. C'est la meilleure de l'année, ça. C'était bien de l'année. Voilà, et après du 2 janvier jusqu'au 31 décembre, il ne fait plus grand chose. Ouh, super! C'est très beau, très bien, très beau. Ouais, ce soir, je pense que je vais enlever le sapien. Ça vous tente? Ouais. Avant d'aller au lit. Après manger, je pense que je vais l'enlever. C'est dommage, j'aimais bien les petites lumières en LED. Mais tu peux les laisser? Et je les accroche où? Bon bref, voilà. C'est un peu la pub. Ouais, non, ça fait... Bon, ça fait pas vilain, moi j'aime bien. C'est très joli, allez. Voilà, on a enlevé le bord l'abat-jour, enfin, vous savez, le truc noir là qui... Du coup, je trouve que ça assombrissait, mais là, pour le coup, ben voilà. Il fait ridicule quand même par rapport à... Mais il est beau, j'aime bien comme ça. Et voilà, je suis en cuisine. Je fais juste des lardons revenus avec un peu de crème fraîche. Moi je rajoute toujours un peu de moutarde, je sais pas si c'est ma... Enfin si ça fait partie de la recette. Mais je sais que les loulous ils aiment bien avec la moutarde, ça relève un peu le goût. Et c'est parfait. Et pour le dessert, hop, j'ai trouvé ceci, hop là on voit pas, ceci à Lidl. Dedans j'ai vu qu'il y avait des petits sachets de, je sais pas si vous allez voir. Hop, ouais on voit dedans. Il y a des petits sachets de sucre, je pense de cassonade un peu. Et ouais, je pense qu'on va faire ça du coup ce soir pour le dessert. Voilà, je sais pas si vous m'entendez parce que ça commence à frétiller dans tous les sens. Je vais peut-être faire un... Ouais, non, ça devrait aller. Hop. Voilà, bref, petit peu de moutarde. Je leur fais à manger, mais moi j'ai pas spécialement faim, voire pas du tout. Je vais me faire une petite salade de tomates et ça ira bien. Hop. Avec un peu de mozza, et ce sera impeccable pour ce soir. Voilà, je vais faire mon montage aussi ce soir, comme ça, avec un peu de chance, vous l'aurez demain. Et j'ai fait des petites commandes aussi sur internet, c'est assez rare, vous le savez quand même depuis le temps. J'ai fait une commande sur le site BigMe, et j'ai fait aussi une commande sur Amazon. Si vous voulez que je vous en parle, à la limite, si vous voulez que je vous les montre,
À la limite, dites-le moi en commentaire ou mettez-moi un petit pouce vers le haut. Comme ça, je saurai si j'ai beaucoup de pouces d'un coup qui changent d'habitude. Je saurai ce qu'il faut que je fasse. Si ça change pas d'habitude, je sais pas, peut-être laissez-moi un commentaire. Et voilà. Bref. Ouais, j'ai fait deux commandes et j'ai hâte de les recevoir. Il y en a une, c'est rien que pour moi. Et l'autre, c'est un peu pour Chouchou, un peu pour moi. Mais donc, du coup, beaucoup pour mes vidéos. Donc, je suis assez contente. J'espère que ça va bien marcher. Bref, voilà. Le repas est quasi prêt. Je vais réchauffer les pâtes parce qu'il nous restait des pâtes de ce midi, d'hier midi. Et voilà. Noël, c'est fini les fêtes, la rentrée maintenant va pas tarder, enfin en tout cas le plus gros des fêtes est passé. Du coup j'ai enlevé tout le sapin, toutes les décos, enfin le peu de déco que j'avais fait évidemment. J'ai enlevé le sapin que j'avais mis aussi dans le couloir là, vous savez, avec les LED, et enfin que j'avais pas allumé, que j'avais pas branché, que j'avais juste posé comme ça sur un clou. Et voilà, là j'ai fini de monter mon vlog, donc j'en ai pour, enfin j'ai déjà 17 minutes, je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt correct hein, pour ce que je fais d'habitude. Et voilà, Loulou, Chouchou est parti au lit, il est fatigué, je pense qu'il va être en train de regarder des vidéos ou la télé devant la télé, dans la chambre, pardon. Les deux loulous, eux, ils sont juste derrière là, hop, par là, voilà. Ils regardent, je sais pas quoi, un truc sur Gulli, je sais plus ce que c'est, un truc apparemment avec de la forêt, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Bref, et voilà, moi donc du coup je suis sur l'ordi, j'ai fini mon montage, du coup je vais aller regarder 2-3 vidéos si elles sont sorties, parce que j'ai un peu d'avance en ce moment. Et voilà, donc du coup si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à remettre un petit hashtag j'ai kiffé ton vlog, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Moi je vous fais des très gros bisous, je pense qu'on se reverra pas avant samedi, non vendredi ou samedi, bref. Peut-être que je ferai un cumul des deux journées, de mercredi et de jeudi, enfin de demain et d'après-demain. Mais ça, c'est pas encore tout à fait dit, donc je préfère vous laisser dans le suspense. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.